En Afrique, quand les Français y viennent, nous on les accueille avec des bras ouverts, ils dorment dans les hôtels, hôtel 5 étoiles, 8 étoiles ou 9 étoiles comme ça, et ils dorment là-bas. Mais nous, quand nous on vient ici, on nous dit de faire demande d'asile. Tu fais demande d'asile un an, deux ans, ils te gardent après, ils te disent, t'as négatif, ils te mettent. Putain, non, je ne sais même pas ici. Déploiement des forces, en fait, c'était dû à quoi? Nous, on était ici en ce qui nous concerne. C'était une population qui était melting pot, une population qui était là. Et de par cette population melting pot qui était là, on a essayé, nous, en ce qui nous concerne, de mettre une harmonie. On a demandé, en ce qui concerne les pouvoirs publics, un pourparler. Sauf que eux, en ce qui les concerne, au lieu de nous donner ce qu'on appelle pour parler, ouais, ils nous ont donné que de la merde. Et la merde, c'était quoi? Ben, on va vous donner des chambres de cadets et un hôtel, des promesses comme il faut, pour des logements temporaires où on connaît la suite, en fait. Sauf que nous, grandis dans ce bain, on ne peut pas se laisser tout le temps avoir des parts de promesses, en fait. Et pour moi, je peux dire, c'est de la démagogie. Bro, l'autre, go. Il n'y a pas de quoi.